Alors salut, donc me revoilà, donc on repart avec Fort Boyard, donc je pense qu'il va y avoir plusieurs petites parties de Fort Boyard avant que je reprenne un peu Vampire, histoire de couper un peu, de faire une belle petite séparation quand même, pour changer un peu de... changer un peu de... j'ai plus mes mots... à changer de décor quoi. Donc on continue dans le décor de Fort Boyard, et donc la dernière fois, alors... je m'étais pas entraînée, donc je pense que le mieux ce serait quand même de faire un petit entraînement hein, pour gérer les touches et la façon de jouer, parce que ça a été une grande catastrophe. Alors on va tenter l'entraînement. Ah bah oui, donc c'est bien ce que je peux tenter, je peux... oui. Je peux m'entraîner sur ce que je veux. Boyard au drôme, c'était quoi ça déjà? Rodéodino, c'était le deuxième, ça a été. Excalibur, c'est l'épée. Kawal, c'est les voitures, mais j'ai pas réussi non plus. Safari, ça a été. Salle du trésor, conseil. Mumi, ça a été. Double faucheuse, non. La caserne, méga gaffe. Est-ce que c'est ça? Je sais plus comment s'appelait la première épreuve, mais je pense que c'est ça. Hein. Ouais, aérodrome, c'était pas ça. Hein. Non. Je pense méga gaffe, ça me dit plus rien. Ça doit être la première étape. Hein. Ouais. Et c'est ça. Alors. Augmente la puissance. Reprendre son équilibre. Alors, je veux bien reprendre mon équilibre. En vrai, j'ai pas tout suivi tout à l'heure. Alors, on va essayer. On va dans l'eau. Et puis on y va. Alors, on a eu derrière des flèches qui m'aident à me dire comment faire. Ah ouais. Ah. Dès que je panique un peu, je fais n'importe quoi. Ah. Allez. J'ai le temps, oui et non quand même, hein, parce que... Ah, je suis à la moitié du temps, j'ai pas attrapé la moitié des pièces, c'est ce qu'il faut se dire. Ah oui. Alors, j'étais pas loin, mais c'est pas ça quoi. Alors j'ai le temps, vite, c'est tout ou rien eux. Hein. Il m'en reste une encore, non? Ah oui, 8, 4 secondes, c'est mort. C'est mort, complètement mort. Ah, je l'ai vu au dernier moment, et ça m'a pas compté. Elle est pas mal. Bon, déjà, j'ai compris le principe, donc on va passer au Tigard, commencer. On va faire les épreuves que j'avais ratées. Même si c'est par là que j'aurais quand même dû commencer, par l'entraînement. C'est quand même le principe, la base de s'entraîner. Alors, j'avais raté aussi... ça j'ai réussi. Alors, l'escalibur, j'avais galéré avec l'épée, on va le faire. Concentre-toi. Ok. Ok, donc là on avait compris. Ok. Ok, donc déjà, on fait ce qu'il nous dit. Allez, c'est parti. Donc là... Allez, ah, on est pas mal. Et là. Ok. Ouais, ah,
Alors, on est excellent là. Ah, ouais, alors par contre, il faudra qu'il m'explique plus que je vise, hein, parce que. Pourtant, je vise fort, non mais là. Exactement. Enfin, m'expliquer. Je peux pas viser plus fort en fait. Bah, là, pour le coup, je vais recommencer parce qu'il y a un truc que je comprends pas du tout. Faire bouger l'épée. Bon, pour la sortir, tirer sur l'épée et frapper sur la corde. Chose que je dois pas faire et que je dois pas comprendre. C'est bon, t'as le temps. Non, j'ai pas le temps justement. Commencez pas à me dire ça, puis après me dire de me dépêcher. C'est bon. Ça jusque là, on comprend tout. Hein. Allez, par contre, c'est à partir de ce moment-là où ça va pas. Hein. Sur la clé, parce qu'il faut que je fasse un. Allez, allez! Oh la vache, non mais là. Pitié quoi. Qu'est-ce que je comprends pas? Franchement là. Pour couper la corde. Bah ouais, je l'utilise pour couper la corde, mais visiblement ça coupe rien quoi. Alors si vous avez réussi la première fois ou si vous avez galéré, dites-moi en commentaire au bout de combien de fois, si je suis vraiment la seule à rien comprendre parce que je comprends rien et que je suis complètement teubée. Mais oui, je veux bien savoir en commentaire, vous, pour ceux qui ont fait le jeu, qui sont en train de le faire en ce moment, si vous avez réussi quand même du premier coup et. Ou si quand même les étapes vous paraissent quand même assez difficiles pour un niveau moyen. Parce que là. Là en tout cas, moi je comprends rien du premier coup. Donc là on y retourne, mais c'est pas gagné. Punaise. Ouais, vas-y, vas-y. Allez, allez. Attention, seigneur de fusil. Ah putain, ça y est. Non. Fallait vraiment taper fort et au moins plusieurs fois au même endroit. Hein. Bah là, je crois que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Bien joué!
Bravo! Bravo! Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que j'ai raté? Bah déjà, c'est sur la finale. Hein. Pour récupérer les pièces que j'avais pas assuré du tout. Boyard. Boyard au drone, bah, franchement, c'est plus que c'est ça. Caserne. Oh, ça j'ai réussi, c'est pas un souci. Double faucheuse, moi j'ai pas réussi à pouvoir la faire. Allez, tu peux le faire. Ok. J'ai compris le principe, ça c'est pas le souci de sauter baisser. Mais je pense que quand j'ai commencé à perdre l'équilibre, j'ai pas repris mon équilibre comme j'aurais dû. Je restais concentré sur sauter, m'abaisser. Et j'ai complètement oublié de reprendre mon équilibre. Donc, allez. En fait, elle m'a touché une fois. Et puis du coup, j'ai pas repris mon équilibre. C'est à ce moment-là, dès qu'elle nous touche, c'est foutu. Faut regérer l'équilibre. Tant qu'elle ne touche pas, je pense que ça va. Enfin, je vais parler, je vais me concentrer. Attention, ça va accélérer. Ah, j'ai complètement oublié. Là, j'ai pris mon équilibre et j'ai oublié de gérer pour sauter. Dès qu'il y en a un des deux qui nous surprend, soit l'équilibre ou alors baisser ou sauter, et là c'est la fin quoi. Faudrait j'y arrive quand même. Allez, bah c'est parti, hein, on y va. Ah bah voilà, là je suis bien resté concentré et j'ai gagné. Je pense que j'avais fait ça depuis le début, je pense que j'aurais quand même réussi à avoir plus de clés. J'aurais peut-être pas tout réussi du premier coup, mais avec l'entraînement on comprend un peu plus la manipulation. Il est fier, hein. Il est fier, lui. Ses binocles, ils sont en train de se chauve. Bon, bien sûr, j'ai rien contre ceux qui ont des binocles et qui ont craint de tout chauve. Mais là, pour le jeu, je trouvais ça drôle, le qui se la pète, là, comme ça, tout gringalant. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec le jugement? Alors, il y en a, ils ont des étapes, ils ont des... Les épreuves, ils ont des noms. La salle du trésor, alors c'est ça que j'ai pas... réussi. Déjà j'ai rien compris. Alors, si je me trompe pas, la salle du trésor c'est là où il y a les mots et que les indices. Ouais. Alors, le jugement, je sais plus ce que c'est le jugement. Et le conseil. Alors, pour moi c'est trois là pour moi c'est le jugement. Je peux pas me mettre sur quoi et qu'est-ce que tout. Qui est quoi et qui. Alors conseil, je sais plus quoi ça ressemblait. Bon, de toute façon je vais faire les trois, on verra bien. C'est par le conseil. Ah, c'était ça. Oh oui, non, j'ai pas envie. Hein. J'ai envie de passer là. Je peux pas faire autour, simplement. On va le faire pour le fun. Hein.
Ça, c'est tout ou rien. Si c'est une combinaison de couleurs qu'on arrive à se mettre en tête, ça marchera. Sinon, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Ça pourrait le faire parce que là du coup c'est vert, bleu, rouge, vert, et après c'est l'inverse, vert, rouge, bleu, vert, et puis pour finir rouge, vert quoi. Donc vert, bleu, rouge, vert, vert, rouge, bleu, vert, vert, bleu, rouge, vert, vert, rouge, bleu, vert, rouge, vert. Alors pour moi c'est ça, hein. J'espère que c'est ça, franchement je sais même plus. Alors donc c'était vert, bleu, rouge, vert, et après on partait à l'inverse, vert, rouge, bleu, vert, rouge, vert pour finir, c'était ça, hein. C'est ok. Soit on retient, soit on retient pas. En soi, il n'y a pas tant de manipulation à faire. Ah non. Alors. Donc le conseil, ok. Le redevant, jugement. Jugement, jugement. Je sais plus ce que c'était. Allez, tu peux le faire. Oh, allez, donne-toi ça. Je ne sais plus, je vois pas pourquoi ça s'appelle jugement. Ah bah si, c'est les sphères. Pourquoi ça s'appelle ça jugement? Ça n'a rien à voir. Ah. Allez. Prêt, bah oui, prêt, enfin, j'ai pas le choix. Ah bah oui, pourtant j'avais ma main quand même, hein. Au bout d'un moment non mais là, tout à l'heure j'ai réussi, mais là, ah du coup c'est lui qui essaye. En fait, ils veulent tous le faire, ils sont contents. Bah, ouais, écoute. Ah, je suis trop dégoûtée. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Ah, c'est mon Car Wars, donc j'avais pas réussi non plus, c'est vrai, mais au niveau de la manipulation, c'est pas le souci, c'est surtout de gérer, que l'autre ne fonce pas dedans. C'est un peu le même genre qu'avec les tigres, en fait, on est plus de l'encombrement, de gérer l'encombrement, que de la manipulation. Donc en fait, s'entraîner 100 fois, ça sert à rien, d'une partie à une autre, il va pas nous faire le même blocage, donc voilà, pour moi, ça sert à rien. La momie. C'était un peu vite fait aussi. Donc là pour moi c'est la salle du trésor. Je fasse là. Ouais. Allez. Donc se déplacer. Trouver la solution de l'énigme et collecter le plus de pourpoyeurs possible. Ouais, aller à la solution de l'énigme. C'était chaud. Hein. Tout à l'heure ça va, il n'y avait aucun sens. Avion, toilette, écrire. Avion, toilette, écrire.
Ouais. Un avion toilette écrit en papier. Papier pour écrire, papier toilette. Avion en papier. Ah oui, non, mais pour l'entraînement, c'est facile aussi au bout d'un moment. Hein. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. À moins que pas. C'est gagné! Et bah, si, apparemment, c'était bien ça. Hein. Déplacement à... Là, je pose. Allez. On y retourne, on a encore un peu de temps. Allez, cours. Cours, 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 cours. Allez, la prend aussi. Hein. Mais ça, ça n'en plus finir. C'est le principal. Bon, voilà. Pour ça, pour l'entraînement. D'accord. C'est plutôt pas mal. Après, l'entraînement de dino, bon, j'ai réussi du premier coup, on suit les flèches, on est concentré, ça va. Franchement, la momie, c'est une question pareille. Il n'y a rien de spécial à faire. Caserne, on a fait, ok. La caserne, j'avais réussi d'ailleurs. Ah non, la caserne, j'avais pas réussi avec les sauts en hauteur, là. On va la faire. Je pense que ce sera la dernière, le dernier essai. Avant la fin de cette vidéo. Allez, tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. Alors, décroche la jambe droite au gauche, courir, courir. Déplacement à droite au gauche. Et prendre des versets le saut. D'accord, bon bah allez. On y va courir. Allez, on court. Donc là. Ah oui, d'accord. J'ai pas vu la jauge en bas. Comme quoi, il faut que je fasse plus gaffe. Hein. T'inquiète pas, t'as le temps. Bah, vous me dites tout le temps ça. J'ai... Oh voilà, là, j'ai fait de la merde. Oh, bah, non, puis je vais me casser la gueule. Oui, j'ai, forcément, j'en suis tombé à côté. Allez, il faut que je fasse gaffe à ça. Ah, hop. Voilà, là ça devrait le faire. Je ne fais pas tomber beaucoup par terre et on met plus d'eau. On a encore un saut ou deux et c'est bon. Hein. Oh, allez, allez. Oh, mais il va trop loin. La 10 secondes, je n'aurai pas le temps d'en faire d'autres. J'espère que ça va marcher. J'ai la clé! Bon. Thank you.
Voilà, bon, au niveau de l'entraînement, je pense que j'ai rien essayé d'autre. De toute façon, vu que j'ai fait une première partie sans m'être entraîné, et qu'au final, j'ai quand même réussi quelques épreuves. Donc voilà, donc j'ai fait le tour, donc je pense que c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Brouillard parti. Versus, moyen, qu'est-ce que c'est versus, coopération. Bon, on découvrira ça, on va découvrir ça, pardon, la semaine prochaine. La semaine prochaine, ou la prochaine fois en tout cas. On va bien voir. Alors, voilà. Donc la prochaine fois, je ferai brouillard parti en essayant coopération versus. Alors, je pense qu'on a déjà plusieurs, mais pas sûr qu'on le fasse. On verra bien ce que ça donne. Et ensuite, bah, j'ai resserré l'aventure en essayant d'avoir toutes les clés ce coup-ci. Voilà, en espérant que ce soit favorable. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ma vidéo. Et je vous dis à plus et à bientôt. Salut!